Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun les potos. Bon, nouvelle méthode pour devenir riche sur GTA 5 Online. Donc je rigole pas, c'est pour tout le monde. Donc si vous êtes même débutant, donc même moi je l'ai fait, j'ai créé un nouveau compte et dans la journée, je faisais le glitch des appartements. D'accord? Donc là, le bonhomme, en 2 heures, il avait gagné 10 millions. Ok, donc c'est parti. Donc là, je vais vous montrer les préparations du mode histoire. Donc on le fera qu'une seule fois. Il va falloir le faire comme moi. D'accord? Donc je vais vous montrer la technique. Donc là, moi j'ai un code de triche pour le mode histoire et on va faire appeler un busard. D'accord? Vous allez avec n'importe quel joueur du mode histoire. Peu importe le pourcentage que vous avez, on s'en fout. D'accord les gars? Vous pourrez démarrer votre jeu et le faire direct, le glitch. Vous faites deux braquages de Bogdan pour acheter vos appartements. Et c'est bon. Donc là, vous mettez sur la route. Vous allez taper le code que je vous mets dans la description. Donc c'est 1, 9, 9, 2, 8, 9, 9, 6, 3, 3. Et vous faites carré. Vous appelez. Hop, comme par magie, un busard. Et là, on va aller à la fête foraine. Donc je vais bien vous montrer où c'est. On va aller manger la paillote. Pour avoir un oiseau volant. Donc c'est une paillote aérienne. Pour ceux qui l'ont, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Il faudra juste aller voir après pour la sauvegarde. Donc suivez la vidéo. Allez, maintenant on va aller. Vous voyez là, ma carte, elle n'est même pas développée. J'ai rien fait en mode histoire. Pas besoin. Donc ça sera pour tout le monde ce glitch, les potos. Abonnez-vous, un petit pouce. Et ce glitch, il va marcher sur Xbox et PS4. Donc c'est la nouveauté de cette manipulation. Vous allez pouvoir le faire aussi sur Xbox, les potos. Donc il y aura juste un moment pour le recalibrage. Il vous faudra vous effacer une sauvegarde et la recréer et la charger. Et vous allez le dire dans les commentaires pour Xbox exactement la méthode que vous faites pour éviter le recalibrage. Donc je compte sur vous dans les messages. Allez, c'est parti, on va aller manger la paillote, les gars. Donc regardez bien où je suis. Donc c'est là, là, c'est la maison où il y a le drapeau, là. Juste là en face de nous. Donc on va se poser là, sur le toit. Et on va aller manger la paillote. Donc les gars, passez voir sur la chaîne aussi, beaucoup de glitches disponibles en ce moment. N'hésitez pas à les faire, à vous régaler, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Donc là, je vais vous montrer bien où c'est. Donc vous voyez la maison où il y a le drapeau, fête foraine. Après, je vous conseille d'avoir un busard, si vous arrivez à montrer autrement. GG à vous. Allez, c'est parti, on va manger la paillote. Donc là, c'est l'étape mode histoire, préparation. Étape 1, faites. Donc vous aurez 3 étapes à faire en mode histoire et c'est terminé. On n'y repassera plus. Donc vous avez vu le temps que ça a mis, 5 minutes. Même pas 2 minutes. Allez, c'est parti. Une fois que vous êtes un oiseau, vous faites flèche de droite. Vous quittez le délire du mode oiseau. Et on va aller à la caravane faire une petite sauvegarde. Donc la méthode, elle change pas beaucoup. Ce sera juste qu'on va éliminer les activités récentes. Bon, pour PS4, vous pouvez toujours utiliser les activités récentes comme sur les glitches que je vous avais mis avant. D'accord? Le glitch, il n'a pas été patché. On n'a rien changé, on a juste trouvé la méthode sans activités récentes. Ok. Allez, on part en mode réalisateur. Une fois que vous êtes sur le mode réalisateur, va falloir faire acteur, animaux. Donc vous allez choisir votre animal volant et vous allez faire triangle.
Maintenant, on va dans personnages en ligne. On va choisir online 2. Triangle pareil. Donc là, l'étape 2, c'est bon. Ça, on n'y reviendra plus. Dans nos acteurs favoris, on a une buse et le joueur online 2. Maintenant, on va sortir dans la caravane. On va retourner en mode histoire. Donc, retour au mode histoire. Et on va créer une sauvegarde de ce qu'on vient de faire. Donc, vous ouvrez votre téléphone, flèche de gauche, sauvegarde rapide. On va créer une sauvegarde. Et ensuite, il va falloir la charger. Donc, vous faites option, jeu, charger. Donc, vous allez charger ce que vous venez de sauvegarder. Vous vérifiez bien la date et l'heure. Et vous sauvegardez, vous chargez ce que vous venez de faire. Donc là, c'est bon, c'est fait, c'est nickel. Donc là, ça va nous retourner en mode histoire. Et maintenant, on va aller sur notre joueur online. Donc, on va aller d'abord sur le joueur 1. Acheter les appartements les plus chers à l'emplacement 4, 5, 6 uniquement, donc ça marchera qu'ici. Donc si vous n'avez pas d'argent pour acheter les appartements les plus chers, vous achetez le maximum que vous pouvez. Allez, impeccable, je vais vous montrer ça, moi ils sont déjà achetés. Donc sur celui-là, vous allez acheter les appartements chers, mais après vous n'aurez plus besoin de les racheter. Ils seront là tout le temps. Et on va calquer ce prix-là sur le personnage 1. Sur le personnage 2, pardon. Ok, maintenant on va sur le personnage 2. Et on va faire l'inverse. Donc on va acheter des garages 2 places à 25 000. D'accord. Si vous avez déjà des garages à 6 emplacements, 4, 5, 6, que vous avez des garages 10 places avec 10 véhicules, vous n'allez pas les perdre en achetant un garage de place. Ne vous inquiétez pas. Faites-le comme moi. Moi aussi, j'ai tous mes garages pleins. Je ne perdrai rien. Quand le glitch sera patché, on pourra racheter nos garages 10 places sans problème. Et les véhicules, vous verrez qu'ils seront là. Donc, vous pouvez même les utiliser avec votre mécano. Les véhicules dans un dépôt du garage 2 places, vous pourrez les utiliser grâce à votre mécano. Seront juste pas visibles. Allez, impeccable. Donc là, on se retrouve avec le personnage 2. Allez, on va dans Dynasty 8. Donc, on va faire trier par prix. Croissant, hop, 26 000, exemple. Voilà, c'est des garages de place. Et vous voyez, j'en ai acheté 3, 4, 5, 6. Ah, c'est 3 emplacements seulement. Donc là, les préparations sont OK. On commence le glitch à partir d'ici. On va aller au mode histoire. Donc à partir d'ici, vous ferez la manipulation à chaque fois que vous aurez ramassé l'argent. D'accord? Vous referez ça. Donc là, on va en mode histoire. On va fermer l'application. Donc pour PS4, vous allez faire un recalibrage L1, R1. Et pour Xbox, vous allez effacer votre sauvegarde et la recréer. Et la charger. Allez, c'est parti, fermez l'application. Donc nous, moi je suis passé à S4. Nous, on va redémarrer. Et là, maintenant, on fait L1, R1 pour avoir notre menu de recalibrage. D'accord. Sur Xbox, vous allez écraser votre sauvegarde du mode histoire
et la recréer. Donc vous n'aurez pas besoin de fermer le jeu au final. Si vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires, s'il vous plaît, pour aider les collègues sur Xbox, ça serait le top. Allez, on spamme encore L1, R1 pour PS4. Jusqu'à maintenant, vous voyez les trois chargements en bas. C'est bon, vous pouvez arrêter de spammer. Vous allez avoir votre menu de recalibrage. Si vous ne l'avez pas eu, vous refermez le jeu, vous recommencez. C'est très important ce recalibrage. Et on va aller en histoire. Ok les potos, de retour en mode histoire, vous allez faire option en ligne, vous allez cliquer sur Crew, il va falloir signer la charte Rockstar. N'oubliez pas à chaque fois de faire ça. Allez là, vous cochez la case, vous mettez envoyer et vous revenez dans le jeu. Ensuite, vous allez faire pavé tactile. Mode réalisateur, on va aller à la caravane et on va s'occuper de l'oiseau. Donc l'étape 1 de la caravane, c'est l'oiseau. Il va falloir le suicider dans de l'eau. D'accord? Donc on va le faire apparence au lac. Ok? Et il faudra le suicider jusqu'à temps qu'il change d'apparition, donc de spawn en ville. Dès qu'il a changé de spawn en ville, c'est bon, on va pouvoir passer à l'étape 2. Donc moi, comme j'ai déjà fait, je suis déjà là-bas. Vous, pour le faire, pour vous transférer là-bas, vous allez faire un repère. Vous allez sur lieu, repère, et vous cliquez dessus. Et c'est ça qui va vous transférer là-bas directement. Ok? Donc maintenant, je m'envole et je me suicide dans l'eau jusqu'à temps que mon point d'apparition change. Donc c'est environ 2 fois. Ok, on resélectionne l'oiseau jusqu'à temps qu'il apparaisse au lac. On va le suicider directement dans l'eau, sans faire de méthode. Allez, on recommence. On va voir où c'est qu'on apparaît. Des fois, c'est 2 ou 3, ça dépend. Faut le sélectionner le cormoran. Ok, vous voyez, la troisième fois, on est obligé, on va le ressusciter. Donc, vous allez pouvoir trouver des méthodes plus simples, mais là, vous êtes sûr de réussir à tous les coups. Si vous respectez cette méthode, ça marchera nickel. Allez, là, normalement, ça devrait être bon. Je vais me retrouver en ville. Vous sélectionnez l'oiseau.
Donc la méthode la plus dure, ça va être maintenant, d'accord? Et la plus dure, moi je vous dis, c'est dur une fois, et après, vous avez compris le coup, c'est bon. Je vais bien vous expliquer tout ça. Ok, vous voyez là, je suis en ville. Donc là, c'est bon, on va pouvoir passer au glitch. Donc le glitch, c'est là que ça va être compliqué, mais au final, c'est facile, d'accord les gars? Donc pour PS4, si vous avez vu les anciennes vidéos, il vous faut préparer une activité récente, d'accord? À un moment, vous en aurez besoin. Pour Xbox, pas besoin. Vous allez voir, on a une autre méthode. Donc là, je vais m'envoler. Je vais faire avec ma main gauche, joystick vers le haut, flèche du bas, d'accord? Ce qui va sélectionner, on va pouvoir sélectionner un joueur du mode histoire, d'accord? Vous voyez là? Et avec ma main droite, je vais choisir un joueur du mode histoire. Donc ma main droite, je ne l'enlève pas du tout, jusqu'à la fin. Et c'est là que je vais enlever ma main gauche, dès que l'ombre sera au-dessus de mon oiseau, d'accord? Donc regardez bien la cinématique et vous allez entendre plouf et c'est là que vous allez lâcher. Donc il va falloir être assez synchro et dès que vous allez lâcher après le plouf, ben vous aurez le message. Plouf, d'accord? Et là j'ai le message. Et sur ce message-là, vous allez rester 40 secondes. Donc 40 secondes sur ce message-là pour Xbox. Vous allez faire oui, d'accord? Même sur PS4, hein, vous pourrez le faire, vous cliquez oui. Ensuite, vous allez avoir la cinématique, vous êtes mort. Donc là, ça veut dire c'est bien, vous avez réussi l'étape. Et ou sinon, vous allez vous retrouver en mode histoire. Donc si vous vous retrouvez en mode histoire, vous avez juste à recommencer, vous ressuscitez l'oiseau jusqu'à temps qu'il aille en ville. Et ensuite, vous refaites la manip. Joystick vers le haut, flèche du bas, main gauche. Main droite, vous choisissez quelqu'un du mode histoire. Et là, dès que vous avez l'ombre la plus proche possible, avec le bruit, vous lâchez la main gauche. Et vous allez atterrir ici, vous attendez 40 secondes. Donc là, je valide, d'accord? J'ai la cinématique, vous êtes mort. Donc ça veut dire mon étape, elle a été OK. Elle est bonne. Donc là, la partie 1, je l'ai réussi. Là maintenant, vous voyez, il y a un écran noir infini. Donc pour Xbox, vous allez laisser un petit moment comme ça. Vous allez ouvrir votre menu, flèche du haut, X. Donc flèche du haut, validé. D'accord? Ce qui va vous faire un message. Ce message-là, et vous allez accepter. Pour PS4, vous faites une activité récente, deux fois PS, lancez GTA Online, vous refusez le message. C'est possible. Vous avez deux méthodes sur PS4. Donc moi là, je vous fais pour Xbox, mais je suis sur PS4. Ok. Donc maintenant, on va aller dans acteur favori. On va choisir le joueur online 2. On va faire rond et on va retourner au mode histoire. Retour au mode histoire. Ce qui va nous envoyer avec notre mode joueur online en histoire. Parfait. Maintenant, on va faire Start, donc Options, En ligne, Choisir personnage. Donc là, on a réussi la moitié du glitch. Il suffira juste après de recommencer la même manipulation identique. Et il y aura juste à la fin qu'il faudra faire lancer GTA Online. Une session sur invitation. Et là, on pourra aller chercher notre argent. Donc, c'est vraiment pas dur, les gars. Il n'y a vraiment que le suicide de l'oiseau que vous allez réussir à tous les coups. Mais par contre, ça rapporte. Pas de limite de vente, rien. Donc là, vous allez patienter dans le chargement et vous allez avoir ce message-là. Alerte. Vous allez rester 7 secondes dessus. 6 à 7 secondes. Et vous allez accepter ce message, ce qui va vous renvoyer en histoire. Ok, donc là on est retour en mode histoire.
On va retourner à la caravane chercher notre oiseau. Mode réalisateur, acteur favori. Donc on choisit notre oiseau volant. Et pareil, on va le suicider au moins deux fois, jusqu'à temps que ça vous change de point d'apparence, d'apparition. Vous voyez, une fois que vous l'avez déjà fait, vous êtes déjà là-bas et tout. Allez, il n'y a plus qu'à le suicider. Encore une fois, allez, c'est bon, point d'apparition différent, on retourne au lac, donc on met un point de repère, on revient dans le jeu. On ouvre le pavé tactile, lieu, repère, et on clique. Et là, on recommence pareil, le suicide, donc avec la main gauche, joystick vers le haut, flèche du bas. On choisit avec la main droite un joueur du mode histoire. Dès qu'on a bien l'ombre au plus proche et qu'on va entendre plouf, on lâche la main gauche complètement. Donc vous allez voir votre petit timing. Le top, c'est d'entendre le plouf. Après, si vous êtes vraiment prêt, ça pourra marcher. Pouf! Vous voyez là? Presque quand l'oiseau, l'ombre, quand l'oiseau va toucher l'ombre. Voilà, ça va le faire. Donc là, je vais rester 40 secondes. Pour PS4, vous avez une autre solution, c'est de faire valider activité récente, jouer à GTA Online, et vous refusez le message, d'accord? Ou sinon, vous faites comme nous pour Xbox, là. C'est au bout de 40 secondes, vous allez accepter ce message. Donc si la cinématique vous renvoie en histoire, vous recommencez le suicide, c'est tout. Si vous avez cette cinématique, c'est bon, vous pouvez continuer le glitch. Donc là, en gros, on a fini le glitch. D'accord? On a juste à suivre la méthode maintenant, on est sûr d'avoir notre argent. Donc là, écran noir infini, on laisse un peu le chargement, on ouvre notre menu, donc pavé tactile pour nous, PS4. Vous ouvrez votre menu, flèche du haut X, ça va vous laisser ce message. Et vous allez l'accepter. Dès qu'on est ici, on va aller dans acteur favori, on va choisir notre personnage online 2, on va faire rond, retour, retour, et on va retourner au mode histoire. Donc ce qui va nous ramener ici, on va faire option en ligne. Jouer à GTA Online, session sur invitation. Vous pouvez faire Go aussi si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller vendre nos appartements chers par les pas chers.
Donc on va atterrir sur notre personnage 1 grâce au bug. Il faudra aller sur le personnage 2 pour aller gagner la différence des appartements. Donc là, après là, vous refaites option en ligne, changer de personnage. Donc lui, ses appartements, on ne les touche pas. Ça sera automatiquement sur le 2. Ça marchera que dans ce sens-là, les gars. Personnage 1, appart cher. Personnage 2, garage pas cher. Allez, on va sur le personnage 2. Et on va voir combien on a gagné, les gars. Et on va dans Dynasty 8. On va faire trier par prix, pareil. Et on va sélectionner encore des garages pas chers. Pour pouvoir écraser les prix chers. D'accord? Vous voyez la différence? Plus 500 000. Et c'est là que vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc cet argent part dans les activités. Vous pourrez le faire à l'infini, les gars. Il n'y a pas de limite, il n'y aura rien, ni bannissement, ni quoi que ce soit. C'est comme si vous aviez gagné dans les activités cet argent. Et là, j'ai juste à retourner en mode histoire, fermer l'application, refaire un calibrage, etc. Et repartir de zéro de la méthode. Les potos, je vous fais des grosses bises. À bientôt. Ciao.